Salut et bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui je vais vous apprendre, je vais vous montrer comment écrire un article de blog 10 fois plus rapidement. Bon, la nouvelle tendance maintenant c'est nombreux disent qu'en 2022 que les blogs sont morts tout simplement. Pourquoi? Parce qu'ils ont essayé de bloguer et qu'ils n'ont pas pu avoir des résultats tout simplement vu que les blogs ça prend un peu du temps, ça demande vraiment de la patience, ça demande également énormément de temps à fournir du contenu. Et souvent pour certains, écrire un contenu de blog, écrire un article de blog qui soit de qualité peut leur prendre des mois. Et vu que nous savons que sur Google, pour se référencer, pour des nouveaux blogs, ça peut prendre un an et certains perdent patience et abandonnent le blogging en chemin. Et après, ils diront que les blogs, ça ne produit pas, ça ne donne pas, les blogs sont morts en 2022. Détrompez-vous. Donc, si vous êtes dans cette vidéo, restez jusqu'à la fin parce que je vais vous montrer comment je prends maximum une heure de temps pour écrire un article de blog sur mon site web growthbusiness.com. Donc, je partage avec vous cette stratégie aujourd'hui sur cette chaîne YouTube. Et si vous êtes nouvellement sur ma chaîne YouTube, je vous recommande de vous abonner et cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos puisque sur cette chaîne, nous partageons des astuces et stratégies en ligne pour acquérir du trafic, que ce soit trafic organique, trafic payant. Donc, abonnez-vous, laissez également un petit pouce bleu, cela nous ferait énormément plaisir. Il est question aujourd'hui, comme je l'ai tantôt dit, de vous montrer comment écrire un article de blog 10 fois plus rapidement. Donc, vous écrivez un article de blog pour que les gens visitent votre site web et lisent ces articles et pour que également Google puisse vous référencer sur son moteur de recherche et pour que vous puissiez acquérir du trafic gratuit. Et pour cela, bon, pour acquérir du trafic gratuit en ligne, nous avons par exemple du. Bon, en fait, vous allez vous en rendre compte qu'il y a du SEO. C'est toute une science. Donc, pour vous montrer comment optimiser, ça peut être des pages sur internet, ça peut être des sites, bon, des articles de blog et ainsi de suite. Donc, du SEO, Social Engine Optimization, acquérir du trafic gratuit en ligne. Vous pouvez également passer par les réseaux sociaux. Et également, bon, la source de trafic aujourd'hui qui nous intéresse, c'est le blogging. Donc, le blogging, c'est une source de trafic vraiment énorme et comptée parmi les sources de trafic à long terme. Donc, lorsque vous écrivez un article de blog, aussi longtemps que vous allez renouveler votre hébergement, aussi longtemps que votre article va être en ligne, et si elle est bien optimisée, alors vous pouvez avoir des visiteurs à vie. Ok, donc la question qui se pose, c'est comment écrire un article de blog 10 fois plus rapidement parce que, bon, nombreux abandonnent parce qu'ils sont souvent à court d'idées et ne savent vraiment quoi écrire et tout, donc écrire un article de blog 10 fois plus rapidement. Ici, il serait question d'écrire des articles de qualité parce que ça ne vaut pas la peine d'écrire un article juste simplement parce que vous avez dit il faut que je publie quelque chose nouvellement sur mon blog. Donc, écrire un article de blog de qualité, c'est ça qu'il est question pour nous en fait. Écrire un article de qualité. Et pour ce faire, écrire un article de qualité est 10 fois plus rapidement pour être référencé sur Google et tous les autres moteurs de recherche. Nous avons trois façons en fait, trois façons chez Growth Business que en fait nous utilisons simplement deux, mais il y a trois façons que vous pouvez utiliser pour écrire des articles de blog de qualité et 10 fois plus rapidement. Donc, dans les trois façons, nous allons lister ici. Nous allons essayer ici le faire par vous-même, en fait. Donc, là, ça va demander, bon, certaines compétences en rédaction web. Donc, vous pouvez écrire un article de blog par vous-même qui soit de qualité et 10 fois plus rapidement. Ok, mais pour que ça soit plus rapidement, en fait, nous allons vous expliquer. Donc, il y a trois façons de rédiger un blog de qualité. Un article de blog de qualité, vous le faites par vous-même. Le second serait de payer des services d'un rédacteur web, en fait. Et pour payer ces services, vous allez trouver par exemple des rédacteurs web sur des plateformes comme 5 €. Donc, sur 5 € vous allez trouver des rédacteurs web auxquels vous commencez par 5 €. Vous pouvez acheter un article
Sur Writer, vous pouvez également trouver des rédacteurs web qui peuvent vous écrire des articles de qualité et 10 fois plus rapidement. En fait, ici, le 10 fois plus rapidement simplement stipule que de votre côté, vous n'auriez presque rien à faire. Donc, juste vous concentrer sur l'essentiel, sur ce qui est le plus important pour votre business. Mais l'inconvénient dans ceci, c'est donc dans ce cas, vous pouvez être victime de plagiat vu que ce sont des êtres humains qui écrivent ces articles. OK? Donc, faites très attention à chaque fois que vous utilisez soit TextBroker, 5 euros ou Writer et toute autre plateforme en ligne pour acheter des articles. C'est vrai, ça va vous faire gagner en temps, mais l'inconvénient, vous pouvez être victime de plagiat. Ok, donc l'autre façon d'écrire un article 10 fois plus rapidement serait simplement de vous faire assister par une IA, donc une intelligence artificielle. En fait, chez Growth Business, nous utilisons cette troisième façon, dans cette troisième méthode et la première. Donc, nous évitons vraiment la deuxième. Bon, c'est à vos risques et périls, nous ne vous les recommandons pas. Mais bon, il est question pour nous simplement de vous montrer aujourd'hui comment vous pouvez écrire des articles de blog 10 fois plus rapidement. Donc, soit par vous-même, soit par l'assistance d'une intelligence artificielle, ou soit par le paiement d'un service des rédacteurs web. OK? Donc, chez Growth Business, nous utilisons l'assistance de l'intelligence artificielle et après cela, nous mettons une petite retouche de nos propres idées et ainsi nous avons des articles de qualité que nous pouvons écrire en maximum 1 heure de temps. Donc, vous pouvez vous en rendre compte que en fonction de nos besoins, nos objectifs, nous pouvons fournir des articles à plus de 2000 mots qui soient vraiment de qualité. OK. Et pour l'intelligence artificielle, vous trouverez sur le marché, en fait, plusieurs intelligences artificielles. Nous avons testé nombreux et nombreuses, mais nous pouvons vous dire que ce qui a retenu notre attention et que nous partageons avec vous aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle de Rattle. Donc, OK. Compte tenu, donc, dans cette vidéo, nous allons vous faire une démonstration de Rattle. Nous allons vous montrer qu'est-ce que c'est que Rattle et comment est-ce que vous pouvez utiliser Rattle pour vraiment booster votre business en ligne, pour pouvoir vraiment écrire des articles de qualité très rapidement. Rattle, l'intelligence artificielle de Rattle ne se limite pas uniquement à la rédaction des articles, mais à plein d'autres choses que nous allons vous montrer dans cette démonstration. Donc, le lien se trouve simplement dans la description de cette vidéo. Nous avons écrit un article au complet. Si vous aimeriez en savoir plus, cliquez seulement dans le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo et vous en saurez davantage sur Rattle et sur toute autre intelligence artificielle disponible sur le marché que nous n'avons pas pu énuméré dans cette vidéo compte tenu de la durée. N'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne, laissez un pouce bleu, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Donc, nous passons à la démonstration de Rattle. Donc, vous allez trouver sur cette page, OK, sur la page d'accueil de Rattle, c'est un peu ça. Rattle va vous permettre vraiment de gagner énormément en temps dans tout ce qui serait copywriting en ligne ou assurer votre présence sur les réseaux sociaux. Donc, ici, nous sommes déjà connectés. Si ce n'est pas le cas chez vous, faites juste sur StyleWriting et vous créez un compte. À noter, Rattle est gratuit pour 5000 mots que vous pouvez générer. Après cela, il vous faudrait prendre un abonnement premium qui est de 29 $ par mois. Vous êtes en illimité. Donc, vous pouvez générer du contenu en illimité. OK? Donc, pour cette démonstration, quand vous allez cliquer sur Start Writing, bon, Rattle va vous demander de vous connecter. Là, nous sommes déjà connectés à notre compte. Donc, vous pouvez vous en rendre compte qu'au niveau du crédit pour ce mois, OK, donc nous sommes à 5000 mots utilisés. Plus tard, si vous voulez aller en illimité, donc il vous faudra débourser la somme de 29 $ chaque mois. OK. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est de découvrir ce que nous pouvons faire avec Rattle. Et il est question dans cette vidéo de vous montrer comment écrire des articles de blog 10 fois plus rapidement.
Donc, vous pouvez vous en rendre compte ici que nous avons utilisé Rittle pour écrire de nombreux articles ou plein d'autres choses. Parce que Rittle ne se limite pas uniquement aux articles. Comme nous pouvons présenter ici, vous pouvez sélectionner la langue dans laquelle vous aimeriez que l'intelligence artificielle écrive pour vous. Il y a de l'arabe, du chinois, l'anglais et plein d'autres. Donc, nous sommes dans la zone francophone. Notre contenu, nous voulons la produire en français dans FR French. Vous avez maintenant le ton. Donc, nous vous disons que Rittle, c'est vraiment le meilleur sur le marché puisque Rittle peut vous proposer énormément de ton. Nous avons testé d'autres intelligences artificielles et nous n'avons pas vraiment trouvé cela chez eux. D'où le fait où nous vous recommandons vraiment d'utiliser Rittle pour vos articles et plein d'autres choses que vous découvrirez également disponibles sur Rittle pour votre assistant, pour votre copywriting en ligne. Donc, le lien de Rittle se trouve dans la description de cette vidéo. Au niveau des tons, vous avez l'appréciation et plein d'autres funny et ainsi de suite. Donc, par défaut, vous aurez convexine. Donc, ça sera un ton pour convaincre votre audience, en fait. OK, choose case. Choose use case. Donc, vous voulez utiliser Rittle pour écrire quoi? Donc, ici, par exemple, nous allons dire, nous voulons écrire des blocs session writing. Donc, une section de blocs. À noter, vous avez, par exemple, bloc ID et outline. Donc, vous pouvez simplement cliquer ici. Qu'est-ce qui se passe? Rittle va vous demander ici d'entrer votre primary keyword. Que vous allez entrer votre mot-clé ici. Et ici en bas, number of variations, vous allez des bons. Rittle peut donner au maximum 3 variations. Donc, si vous prenez 3, Rittle va écrire 3 variétés de blocs headline. Donc, les en-têtes de blocs. Et ça sera à vous de lire parmi les 3 et choisir ce qui vous intéresse. Au niveau du level, si vous voulez ce qui est optimisé ou medium high, vous choisissez. OK. Donc, et une fois que vous avez écrit votre mot-clé ici, vous allez simplement cliquer sur Write for me. Donc, Rittle va écrire pour vous. Donc, vous pouvez vous constater, nous avons par exemple là, nous avons eu à écrire par exemple des. Donc, ce que vous pouvez écrire avec Rittle, Branch Name, Business ID, Call to Action, Copywriting Framework, Email. Donc, vous pouvez également écrire vos emails avec Rittle. Vous pouvez écrire des campagnes de Facebook et plein d'autres. Donc, pour nous ici, nous allons utiliser, par exemple, on a le bloc headline qu'on a besoin dans un article. On a la section bloc qu'on a besoin dans un article. Et on a également besoin du SEO Meta Description qu'on a besoin. On a du SEO Meta Title qu'on a besoin dans un article. OK. Donc, nous utilisons ces 4 combinaisons pour fournir des articles de qualité et 10 fois plus rapidement que si on se mettait à écrire cela ligne par ligne. Donc, une fois que Rittle a fourni du contenu, ça sera à vous de copier ce contenu, aller coller sur votre blog. Donc, ça peut être même sur les réseaux sociaux, peu importe. Et rassurez-vous toujours de lire et augmenter également vos petites retouches. OK, pour que ça soit vraiment unique, unique et unique. C'était tout pour cette vidéo sur comment écrire un article 10 fois plus rapidement. Et nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, laissez-nous un pouce bleu. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos.